là, c'est on va dire la première fois que tu participes à notre chantier. Ouais. Et à chaque fois que des participants viennent, des volontaires, tout ça, on leur pose des petites questions. Ouais. Donc nous on aimerait bien savoir ce que c'est pour toi en fait de la permaculture. Que nous on va se lancer dans un projet permaculture. La permaculture, bon, on en avait déjà parlé hein, ensemble. Pour moi c'est t'arrives avec tes gros sabots sur un site et t'essaies de faire le moins de dégâts possible, déjà c'est de se faire un site de la biodiversité, d'avoir différents milieux, par exemple une petite main, des cultures, c'est un peu. En gros, c'est essayer d'avoir le moins d'impact, faire le moins de dégâts possible sur un site avec le moins de tarifs. Après, dès que tu arrives quelque part, forcément, le site, ça change. De moins impacter le site, je pense que c'est ça le but du jeu, et de favoriser la biodiversité. Et puis, forcément, de ne pas traiter, et puis d'avoir des... Je pense pour moi c'est un peu ça, et puis on avait déjà vu faire des buts, faire avoir à ton niveau en fait. Je pense qu'avec Manu vous avez quand même testé déjà. C'est surtout lui qui a exemple, ça se passe comment même. On est content, hein. Moi j'ai ramassé mes patates, j'ai foutu mes mains dans la paillasse là, c'était encore bien humide là, t'as du terreau en dessous, il y a des vers de terre et tout, t'as vu les cultures, hein, les tomates, on a une belle récolte, il n'y a pas de mildiou. Peut-être qu'on est un peu en hauteur, je sais pas, mais c'est la première année où on est vraiment c'est cool. Les patates, on a trop fait, il y a les potirons qui arrivent là. Moi j'ai un peu foiré les oignons, mais ça vous le savez déjà. C'était pas sur la butte non plus. Les oignons c'est à côté. Après courgettes, ça se passe bien, il y a quelques petits animaux qui ont mangé les trucs, mais ça va quoi. On est content, ouais, c'est bien. C'est un peu de boulot au début à l'installation, mais puis après t'es bien quoi. C'est des cultures saines et t'as des patates comme ça. C'est con, j'aurais pu en ramener une pour faire un exemple pour vous montrer. Pas trop de maladie quoi. Pas du tout même. Des petits trous quoi de temps en temps. Deuxième petite question. Mon verre. Alors. Après ma speech. Qu'est-ce que tu penses de notre projet en général? Je trouve que c'est super bien quoi. C'est vrai que c'est du boulot, je trouve que vous êtes un peu des ouf tous les deux, mais ça je vous l'ai déjà dit. Après c'est excellent quoi. Après c'est vrai que là c'est au stade un peu bordélique et il faut que ça se fasse quoi, mais. Ouais, sur le long terme, vous êtes courageux quoi. Franchement vous avez du mérite, hein. Je vous l'ai déjà dit quoi, mais c'est bon quoi. Un projet un peu commun un peu avec nous parce que on a la même Ouais c'est sûr, après nous je pense qu'on a un peu mis ça de côté quoi, tu vois, faudra voir quoi. Le but c'est aussi de développer. Pour l'instant il y a la pâture là qui est encore on va dire on n'a rien fait pour l'instant, mais il y a encore des choses à faire petit à petit. On a besoin aussi de dans l'avenir de monde. C'est pour ça dépend de ça évolue. Moi je parle au niveau job, Manu il bosse beaucoup quoi, donc lui c'est vrai qu'il peut pas se couper en deux non plus quoi, mais vous c'est pareil, vous avez vos trucs aussi. Après c'est attention c'est à rediscuter je pense, il n'y a rien qui est figé pour l'instant. Petite troisième question, si tu avais quelques conseils à me donner par rapport à ce que tu as vu et par rapport à notre projet. L'huile de coude. pas désespérer, parce que franchement c'est quand même un boulot de titan, on va pas se mentir quoi, mais bon ça j'arrive pas à inventer l'eau chaude quoi en disant ça, mais courage, faut pas désespérer quoi, c'est vrai, c'est peut-être con et basique quoi, mais je trouve que y aller par étapes, mais de toute façon c'est déjà ce que vous faites quoi, donc je pense que des conseils, toi tu regardes beaucoup de théories hein, dans les bouquins, dans les trucs. Nous si on peut vous faire un coup de main, ou des petits coups de main de temps en temps, on fait quoi. Après Manu il aura plus de temps cet hiver, donc je pense qu'il viendra mettre la main à la pâte aussi quoi. C'est vrai que c'est du costaud là, c'est du lourd. C'est clair. On se dit toujours quand on n'est pas dedans, on s'en rend pas compte quoi. On voit quand même l'avancement, le progrès, et ça doit vous faire chaud au cœur aussi quoi. Ça va super. Quand tu vois le truc, quand on est matinée, les silex sont. Des fois on se décourage, des fois. En conseil, peut-être trouver des équipes qui viennent vous filer un gros coup de main pour vraiment dire d'avancer quoi, mais bon ça je pense que c'est. Déjà ne serait-ce qu'avec une personne de plus, comme aujourd'hui avec toi,
on l'a placé assez normalement. Ça nous fait une sacrée différence déjà d'avoir. Je t'ai dit, tant que je taffe pas, je viendrai si vous voulez, je peux bien. Ouais, bah, après, c'est pour faire du travail de bagnard. Bah, tant que moi, tu vois, tant que ça me flingue pour la santé et puis que je peux le faire, après, pouvoir dire ça avec plaisir. Disponible. Ouais, bah chez moi, j'ai un peu des trucs à faire, mais ça, ça va pas prendre non plus. On peut. Je pense que notre entretien s'arrête là. Ah ouais, ok. Bah ouais, non, je pense à des conseils, mais c'est vrai que un projet pareil, j'ai pas. Non, faut demander conseil à des gens peut-être qui s'y connaissent mieux, c'est vrai que moi. Ouais, ça peut être des conseils juste comme ça, quoi. Des petits conseils. Des petits conseils, des petites. Ouais, juste un petit truc qui pourrait. Comme Chloé, bah, par exemple, elle disait qu'il fallait qu'on se ménage, tu vois, des trucs comme ça. Après, chacun, tu vois, donner un petit conseil. Ouais, bah ouais. Ouais, puis peut-être pas vous mettre trop la pression non plus, quoi. Mais bon, c'est pas un conseil. Tu crois? C'est un peu pourri, quoi. Bah, de toute façon, vous le savez déjà, maintenant. Bah ouais, plus ou moins, mais après, c'est bien de se. C'est bien de se le faire rappeler. C'est vrai, ouais, pas se mettre la pression, puis aller à votre rythme, et pas vous bousiller, quoi. De toute façon, là, on va repartir dans le chantier, je crois. Ouais, on va y aller. Parce que, ouais, c'est vrai. Puis bah, merci, Jules. Bon, de rien. Merci, Juliette. Julia. J'aime pas du tout. C'était intéressant de ce qu'on disait. Ouais, c'est là-dedans.